C'est toi l'élu. J'avais quitté les verts pâturages de Judée à l'aube. Le sentier que je suivais s'enfonçait maintenant face au soleil levant, dans la sécheresse brûlante des collines caillouteuses qui mènent au désert où je savais que Jean prêchait et baptisait, vivant de sauterelles et de miel sauvage, selon ce qui m'avait été rapporté. Au débouché des collines, je l'ai aperçu en même temps que je découvrais les méandres paresseux du Jourdain. Perché sur un rocher, le dos à la rivière où j'allais enfin pouvoir me désaltérer, il s'adressait à une trentaine d'hommes assemblés devant lui. Il me tournait le dos. La plupart étaient assis. Jean était vêtu d'un manteau en poil de chameau accroché à son épaule et d'un pagne de peau qu'une ceinture de cuir serrait à la taille. Sa voix portait loin. Au fur et à mesure que j'avançais, me parvenaient des bribes de ce qu'il leur disait. « C'est à cause du laisser-aller dans lequel s'est assoupi Israël, à cause de la licence dans laquelle nos pères se sont vautrés, dans laquelle nous continuons de nous vautrer, que depuis des décennies, nous sommes sous domination romaine. » Il m'a vu de loin. Quand je suis arrivé, il en était à invectiver 5 ou 6 pharisiens et sadducéens bien habillés, qui se tenait debout à quelques pas derrière ceux qui étaient assis. Avait-il discerné à leur port hautain ou au fait qu'ils s'étaient mis en retrait, qu'ils n'étaient pas là pour s'amender ? Pourquoi êtes-vous venu ici, race de vipères ? Clamait-il. Croyez-vous que vous échapperez à la colère du ciel parce que vous avez fait tout ce chemin depuis Jérusalem ? Vous n'y parviendrez que si vous changez, que si vous vous repentez. Quand, de retour dans la ville sainte, au lieu de vous perdre dans des simulacres de prière, vous vous emploierez à rétablir la justice. C'est cela que Dieu veut, pas autre chose. Vous entendez ? Et de les dévisager les uns après les autres, avant de rappeler à tous, afin qu'ils ne s'enorgueillissent pas d'être juifs. Vous prétendez avoir pour père Abraham. Je vous dis, moi, que si vous aviez vraiment Abraham pour père, vous produiriez des fruits dignes de sa justice. » Il s'est apaisé, puis, plus calmement, a prononcé. « Ne savez-vous pas que Dieu peut, des pierres qui sont là, faire surgir des enfants à Abraham ?» Il s'est tu. Le temps de me joindre à ceux qui étaient assis en veillant à ne pas déranger, déjà l'un des auditeurs demandait. Que devons-nous faire ? Que celui qui a 2 tuniques en donne une à celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Sa voix s'était radoucie. Un publicain intervint. « Je voudrais bien me faire baptiser, mais je suis publicain. N'exige que ce qui est dû, rien de plus, » lui a répondu Jean. Un étranger a demandé à son tour. Au vu de sa coupe de cheveux, de son vêtement et de son accent, c'était un Romain. Et nous, les militaires ? Ne molestez personne et contentez-vous de votre solde. » Jean a vérifié du regard que plus personne n'avait de questions à poser, puis il a précisé que, lui, il ne baptisait qu'avec de l'eau, mais que se tenait parmi nous quelqu'un qui baptiserait bientôt en esprit. Quelqu'un dont il n'était pas digne de délier la courroie des sandales. Et il a invité que ceux qui veulent changer de vie, qui veulent vraiment faire l'effort de changer de vie, sans tricher, viennent se faire baptiser. Il est alors descendu de son rocher et est entré dans le Jourdain. Il s'est poussé dans l'eau jusqu'à une pierre plate qui affleurait devant un creux que fait en cet endroit la rivière en 5 urvans. Et il s'est arrêté quand l'eau lui arrivait aux genoux. Tandis que nous progressions en nous enfonçant lentement dans l'eau du Jourdain, s'avivait ma conscience que s'achevait une étape importante. Le baptême de Jean allait m'ouvrir sur une nouvelle vie. Je regardais les arbres, les rochers, le sable, les joncs, les herbes entre les bosquets d'arbustes qui s'enfuyaient de l'autre côté de l'eau. M'emplissait du paysage qui nous environnait comme si j'étais un oiseau de haut vol.
Puis j'ai fermé les yeux pour dire merci à Dieu de m'avoir éclairé sur ces vanités que sont la possession des biens matériels, la soif du pouvoir ou simplement le besoin de paraître autre que nous ne sommes réellement. Ces chemins sans issue sur lesquels s'égarent la plupart des hommes. Recueilli, je demandais, « Père, fais-moi connaître ta volonté. » Au remous qu'a provoqué celui qui me précédait en se relevant et s'éloignant pour sortir, j'ai su que c'était mon tour. Je me suis avancé. Soudain, j'ai entendu comme une grosse pierre tomber devant moi et me suis senti saisir par les épaules. J'ai ouvert les yeux. C'était Jean qui avait sauté dans l'eau, qui m'avait rejoint et me regardait. Comme je suis plus grand que lui, il était immergé jusqu'aux épaules. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Comme je me taisais, il a dit « Ce serait plutôt à moi de te demander de me baptiser. » Je me suis entendu lui répondre « Laisse, c'est ainsi qu'il convient que se déroule toute chose. » Alors il m'a lâché, m'a contourné en brassant l'eau, est remonté vers la berge et est revenu sur sa pierre. Il s'est baissé, a pris de l'eau dans la main, l'a versée sur ma tête, m'a appuyé sur l'épaule et je me suis à mon tour complètement immergé. Quand j'ai ressorti la tête de l'eau, lui et moi savions que c'était moi l'élu.